Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la série Kiff la technique. Je suis donc toujours en Inde et je voulais vous montrer. On m'avait demandé, j'avais pas été assez peut-être exhaustif. On avait regardé pour les 4 gigas, donc c'est les toutes petites cartes de mémoire, les plaquettes de mémoire qui en fait on vous donnait le prix. Hein, donc ici c'est 400. MRP, c'est le maximum, c'est le prix, le P. M, c'est le maximum. Donc on peut les trouver moins cher, mais ils ont un système où surtout les yaourts, surtout, sauf bien sûr dans la rue, les sarongs, les bijoux et tout ça, alors il faudra négocier. Mais ça empêche de se faire trop avoir, parce que c'est un peu normalisé. 400 euros, c'est 400 roupies, hein, RS, roupia, ça fait, elle est chère, hein, ça fait la... 1,80 € roupies à peu près. Donc c'est 5 euros là. Donc pour les Canadiens, c'est facile. Vous enlevez les 2 euros. Alors, donc c'est 400. Ça fait 4. Puis vous faites fois 2. Donc c'est 8 dollars canadiens. Pour les Suisses, ben, on est à. Donc là, on est en Inde en avril 2018 où tous les mois, je suis plus riche de 10% parce que le cours de la roupie indienne est en train de plonger parce que les Chinois sont en train de poser un embargo sur l'Inde. Oh là là, ça, l'Inde n'est pas autonome, elle importe, elle importe, elle importe. Tout ce qu'elle produit, ils n'arrivent pas à exporter, hein, ils tournent juste à l'agriculture. Hein. Je m'intéresse à l'agriculture, là on a un projet de 12 hectares, donc d'hypotonie, c'est-à-dire qu'on nourrit les plantes avec de l'eau enrichie par des poissons. Vous verrez, c'est le projet, c'est l'autre série de vidéos sur la nature. Regardez dans N Nature. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est que l'Inde produit 98%, hein, presque 100% de ce qu'elle produit. Donc au niveau agriculteur, à manger, hein, je vous parle de légumes, eh ben c'est manger en Inde. Donc ils n'arriveraient jamais à exporter. Hein. Et ils importent de tout, l'électricité, le pétrole, le plastique, tout vient de Chine, puisque c'est les voisins. Et là, ils ont des soucis. Donc vous êtes de plus en plus riches toutes les semaines, tous les mois. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le système. Voilà quoi, donc on va pas éterniser. Donc c'est pour dire, ça, elle est chère, hein, elle est chère parce que... C'est une carte que j'ai achetée dans la rue. Je suis un petit commerçant. Moi, je fais marcher le commerce local. Et puis, il m'a dit, là, support, local support, local support, que j'ai dit qu'elle était chère. Dans les grands centres commerciaux, directement branchés sur la Chine. Enfin, on verra avec l'embargo, mais non, les produits électroniques, je pense qu'ils vont encore arriver un moment. Mais le Premier ministre est là-bas en train de négocier avec les Chinois pour, non, quand même, laissez-nous pas... Comme ça, dans la mouise, quand on a besoin de vous, même si on vous déteste, hein, ben, je sais pas s'ils les détestent, mais ils aiment pas, quoi. C'est comme ça, je voulais pas parler de ça, je voulais vous parler du prix des choses et des cartes mémoire. Voilà, à la prochaine. Merci. Au revoir.